Bienvenue à vous les amis, bienvenue à vous sur la chaîne de TV4 Kitech. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Nous allons bientôt atteindre la barre des 10 000 abonnés et ça serait super cool que je puisse atteindre mes 10 000 abonnés avant la fin du mois d'avril, ce qui ferait un an depuis que ma chaîne a été créée. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de vos commentaires et de votre aide. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager mes vidéos autour de vous, cela va aider au référencement de mes vidéos. Je vous dis à tout de suite, ne bougez pas pour la suite de la vidéo. Coucou les amis, TV4K va vous présenter une application qui va vous aider à moins galérer durant le confinement. Bisous et prudence. Salut à vous mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne TV4K Tech pour aujourd'hui une nouvelle application. Lors de mon live d'hier après-midi, enfin d'hier soir, je vous avais annoncé que je vous présenterai une super application. C'est une application spéciale confinement qui va vous aider réellement à passer ces confinements. Et comme on l'a évoqué hier, voilà, la seule manière de passer ce confinement, bah, c'est de s'occuper, occuper son esprit et à faire autre chose, bien évidemment. La lecture, du sport, de la spiritualité pour d'autres, hein, ou bien s'occuper hein, en regardant ces films et ses séries préférées. Aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter une application de VOD qui est vraiment très sympathique. Je vais vous expliquer tout ça, rentrer dans les détails, mais en attendant, admirez ces très belles images. C'est une vidéo qui a été tournée en 8K, hein, c'est de la très très haute définition, vidéo tournée en 8K, en 60 images par seconde, en HDR+. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'imagerie, c'est vraiment le top. Et je vous laisse l'admirer. Moi je la filme en 4K, 60 images par seconde, de manière à ce que le rendu soit le meilleur hein, sur YouTube. Donc voilà, franchement c'est des images moi, qui me font rêver. Et voilà, je suis un féru de très belles images et j'aime bien vous mettre une petite vidéo de temps en autre comme ça en fond d'écran pour égayer notre quotidien qui bien sûr tout le monde le sait et n'est pas des meilleurs en ce moment. Voilà, donc c'est pour voyager un petit peu, voyager et penser à autre chose. Donc là les amis, on va passer directement sur l'application. C'est une application qui est vraiment très sympathique comme je vous l'indique au départ. Je vais vous l'expliquer et vous la présenter. Je vais rentrer dans les détails par la suite. Et vous verrez que voilà, ça vaut le coup de l'installer et de l'utiliser. Alexa, active Supreme Télévision. Vous voulez dire Supreme Télévision? Oui. D'accord. Moi, les amis, l'application que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est autre que l'application qui vient de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle Supreme TV VOD. Voilà, donc je l'ai installée sur mon boîtier TV Ninja Shield. Cette application est téléchargeable sur tout type de support Android, smartphone ou bien TV, enfin Box TV Android. Elle est disponible au téléchargement. Je vous mettrai en description toutes les explications, le lien pour télécharger l'application. Bon, je l'ai téléchargée, elle est compatible Alexa en passant par Alberto Sonorus, c'est-à-dire que vous pouvez l'activer juste pour la lancer avec Alexa. Moi j'aime bien faire ça, après bon, c'est pas forcément l'envie de tout le monde. Donc je vais vous l'expliquer, c'est une application en fait qui existe aussi sur le Play Store Google Play. Donc elle est disponible sur le Play Store, il n'y a aucun souci. Et aller voilà, pour la télécharger sans aucun problème. Alors c'est une application qui est valable 7 jours. Donc je vais vous communiquer en description le code. Il y a un code et un login à entrer, donc je vais vous les mettre, il n'y a pas de souci. Ces accès sont valables 7 jours. Moi ça fait plusieurs jours que je teste cette application là et elle est vraiment très très bien. Elle est bien, elle a un très très bon son, une très bonne qualité d'image. Le développeur, j'ai communiqué un petit peu avec lui par mail. Il m'a l'air sérieux, il m'a l'air d'être quelqu'un de fiable. J'ai changé depuis plusieurs jours et je vais vous expliquer par la suite comment faire pour avoir cette application pour longtemps. Donc on va rentrer dedans directement. Voilà. Donc c'est une application qui propose des films récents et moins récents, qui propose des séries et vous avez la possibilité de créer aussi une playlist et de créer une liste de films favoris. Donc je vais vous expliquer rapidement. Donc il faut utiliser impérativement les amis une souris ou un clavier sans fil, sinon vous ne pouvez pas la faire fonctionner. Donc là vous avez Home sur le côté gauche, vous avez Série, Movies, ok. Vous avez Setting, vous pouvez changer de thème, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Moi j'ai laissé la couleur rouge, comme ça j'aime bien. Vous pouvez aussi changer de langue, Hindi ou English, vous me laissez en English. Je crois à chaque fois je sors comme ça.
Là, je vais retourner dessus, excusez-moi. Ensuite, vous avez hop, la sélection du player. Alors, télécharger MX Player et VLC Player. Ce sont deux players que peut demander cette application lorsque vous lancez un contenu. Voilà, impérativement, les installer. Et il y a quoi d'autre en réglage? Tac, 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 animation. Voilà, vous pouvez changer d'animation. Voilà, je n'ai pas trop touché à ça. Voilà. Donc, quand vous allez installer l'application pour la première fois, mes chers amis, ça va vous demander un login et un password. Donc, je vais vous les mettre en descriptif. Il faudra les télécharger. Dans le descriptif, vous allez avoir les coordonnées, l'adresse email du développeur. Le développeur m'a expliqué qu'on pouvait télécharger cette application-là sur tout type de support, même hors Android, c'est-à-dire même sur de l'iPhone, sur de l'iOS, sur des Smart TV apparemment c'est compatible. Il va vous indiquer la procédure à suivre. Il est mieux placé que moi pour vous expliquer que ça. Voilà. Moi je sais juste que pour l'instant, enfin ce que je vous montre pour l'instant, c'est une installation sur Android et sur smartphone. L'application peut la télécharger de la même manière sur un smartphone ou sur un boîtier TV Android, il n'y a pas de souci. Mais d'autres supports sont compatibles. Donc rapprochez-vous du développeur. Qui ont présenté cette application, ils m'ont confirmé que la personne développeur, en fait, il a déjà une expérience sur d'autres types d'applications et il n'en est pas sa première application. Il est sérieux, il est vraiment fiable et ce développeur mise sur de la durée. Donc, vous avez différents types de contenu. Vous avez des films, vous avez des séries, vous avez Amazon Prime, des séries Amazon Prime, vous avez des séries Netflix, vous avez des séries Netflix Kids, et ensuite c'est normalement hop, rangé par thématique. Voilà, hop, je suis obligé de flouter les amis, je ne peux pas vous montrer les images, c'est interdit, je voudrais pas que ma vidéo soit strikée sur YouTube. Mais croyez-moi, je la teste depuis plusieurs jours, elle est vraiment sympathique cette application, j'aime beaucoup franchement, et moi ce qui me plaît le plus c'est vraiment la qualité de l'image et du son. Donc les amis, quand je vous parlais de qualité de son et d'image, là j'ai lancé un film, je ne vais pas vous le montrer, c'est pas possible. C'est un film qui est très récent et qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous voyez en haut, vous avez déjà la qualité d'image. C'est du 1920x800. C'est la Full HD. Voilà, c'est tout simplement de la Full HD. En dessous, vous avez l'audio track, c'est-à-dire la qualité audio. Donc vous pouvez pas faire ou avoir du VO en anglais ou passer en français. Quoi qu'il en soit, sur les deux langues, vous avez du audio AC3 en 448 kilobits, c'est vraiment, voilà, c'est une très très bonne qualité de son. Et vous avez la possibilité, bien évidemment, en dessous d'activer ou de désactiver ou de choisir la langue des sous-titres. Voilà, dans le film qui passe derrière, je vais vous montrer, il y a quelques échanges en espagnol. Donc, quoi, l'idée serait d'activer les sous-titres en français lorsque les personnages parlent entre eux en espagnol. Voilà. Donc, c'est vraiment du très bon son, de la bonne qualité d'image. Le développeur, c'est pas un rigolo. Et réellement, vous avez vraiment tous les films. Hein, ils sont rangés par thématique, récent, animation. Film Netflix, Marvel, etc. Mais même du Disney Plus. Donc voilà, vous avez des films récents, vous avez aussi des mangas, vous avez voilà, des sagas, enfin des trilogies. Vous avez vraiment, mais l'embarras du choix. Très très bien, l'image est bien, ça coupe pas, il n'y a pas de soucis. Visiblement, les serveurs sont costauds, hein, ils tiennent la route. Et il y a pas mal de personnes qui ont déjà souscrit à son application VOD, qui est aussi disponible, comme je le disais, sur Play Store. Donc si elle est disponible sur Play Store, c'est qu'officiellement c'est une application reconnue. Et même les commentaires sur l'application, il y a une bonne note, il y a de très bons retours. Donc voilà. Donc je vais mettre en description, les amis, tout ce qu'il faut. Je vais vous mettre l'application pour la télécharger. Je vais vous mettre les codes à rentrer. Valable 7 jours, je répète bien 7 jours. Je vais vous donner aussi le contact de la personne à contacter, qui est mieux placé que moi pour vous donner plus d'informations, surtout pour ceux qui veulent utiliser cette application sur d'autres supports qu'un boîtier TV Android, par exemple sur les Smart TV ou sur les téléphones iOS ou sur les tablettes iOS type Apple. Voilà, et voilà, donc échangez avec lui, donc si ça vous convient, prenez-le. Enfin, moi en tout cas, je vais le faire, donc après, on se fera un retour d'expérience. Mais je me suis renseigné sur le développeur, apparemment, voilà, ça fait des années qu'il fait ça, il est carré, il n'est pas quelqu'un de sérieux. Après, je ne suis pas sûr à 100%, je ne vais pas porter garant.
Mais en tout cas, moi, ça, moi, je vais prendre. Voilà, moi, je vais souscrire comme vous. Si quelqu'un parmi vous veut souscrire, hein, je serai client comme vous. Et voilà, donc je ne vous pousse pas à le faire, hein, faites-le si vous voulez le faire. Mais franchement, pour une application VOD qui tient la route, voilà, c'est pas une application qui va sauter, qui est plein de publicité, etc. Non, c'est une application stable, bien faite, ludique, facile à utiliser et utilisable sur plusieurs supports différents. Voilà. Bah, écoutez les amis, c'était juste pour vous présenter cette application-là. Je vous mettrai tout en descriptif, hein, le lien, etc. Si vous avez des questions, posez-les-moi, je pourrais vous répondre. Si je ne peux pas vous répondre, rapprochez-vous du développeur qui est plus à même à vous répondre. Les amis, je veux un maximum de pouces, un maximum de pouces bleus, je veux un maximum de partage. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si besoin. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne soirée. D'autres applications arrivent les amis en présentation et je vous dis à très très bientôt.